Et analogique. Nous, on va continuer la recherche et dans d'autres domaines de créativité en parlant du dessin. Le dessin est un petit peu plus proche d'Internet que la peinture ou la sculpture, par exemple. Il inspire et est un sujet. Beaucoup de dessinateurs s'en sont inspirés ou sont influencés par le web. Nous, on ne va pas s'intéresser aux BD qui en parlent, aux dessins qui en parlent, mais à des dessins qui sont traités, enfin, un niveau de lecture plus large et pas seulement sur le sujet. Ce travail que je vous ai déjà montré, Admir Jaïk et Comenius Rotlisberger, qui, avec ses dessins naïfs de vidéos cultes de la pop culture sur YouTube notamment, ont réussi à rendre art à ce qu'il n'était pas au départ, puisque ces dessins ont fini dans des grands musées. Puis, le travail d'un excellent artiste qui s'appelle Vincent Brocker, qui est représenté à Paris encore une fois par la XPO Gallery, qui est un artiste et dessinateur. Je vais vous montrer un de ses petits films maintenant. Donc Vincent réalise plein de, entre autres bien sûr, plein de petits films animés comme ça qui, je trouve, rendent très belle la rationalité et puis un peu l'aridité qu'on peut trouver dans certains outils informatiques. Il a un ton qui vraiment le rend beau. Et là, je vais vous montrer un autre travail qui s'appelle Screen to Screen, une présentation de Vincent lui-même. Il y a des objets qui sont petits, par exemple, si j'ai envie de mettre un peu le bazar ici, je peux par exemple bouger ce cadre assez facilement. Je peux aussi, avec deux doigts, bouger les cloisons d'une main. Là, je vais aller voir de plus près ce qui se passe ici. Voilà. On est vraiment encore plus proche de la scène. Je vais pouvoir aller embêter par exemple le personnage. Donc je peux lui piquer sa télécommande. Je vois qu'il est en train de manger. Je peux par exemple lui piquer son paquet de chips. Et renverser sur lui si j'ai envie d'en prendre deux. Voilà. Je peux regarder son écran. Voilà. Je vais zoomer dessus parce que j'ai l'impression que c'est le même que celui qu'on a ici. On va vérifier ça de plus près. Voilà. Ah oui, c'est le même. De toute façon, je vais vérifier s'il est actif. Ah oui, il est actif. Je peux même aller voir à l'intérieur de l'écran comment il fonctionne, si j'ai envie de le développer. Et j'ai aussi développé une fonction par double touche. Je peux passer d'un écran à un autre. Donc le screen to screen, fonction très connue. Alors voilà, je retombe sur le même dessin parce qu'on était sur le même écran que le nôtre. Donc du coup, logique, on retombe sur le même dessin. Je vais ouvrir à l'aide du coin ici un autre dessin, qui est par exemple le Festival des Gouillants. J'ai redessiné tout ce qui est ici, en fait. Alors, là, c'est un peu lent, je peux l'aider à charger. Je peux aussi faire bouger mon bras, si je veux. On va encore zoomer dans la scène. Je pense qu'on peut se rapprocher encore plus. Alors là, on est vraiment très proche de la scène. Alors, je vais vérifier si le temps réel fonctionne bien. Ça marche assez bien. Et là, je peux rezoomer dans l'écran. Donc là, on est dans mon écran, de mon écran, de mon écran. Et je peux encore passer dedans par une double touche, en fait.
Voilà. Et bon, là, je pense que je vais arrêter maintenant parce que ça va faire trop de mise en abyme. Je pense que ça va planter. Donc, je préfère arrêter là pour l'instant. Parce que je suis en train de le développer et j'ai pas envie de... C'est une performance que Vincent a menée au Festival des Bouillons que j'ai coupée parce que je voulais que ce soit un peu plus court pour notre conférence aujourd'hui. Mais... Like a wheel within a wheel, never ending or beginning.